Le film qui a été présenté, c'était un petit peu pour susciter notre esprit critique. Et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de poursuivre la question de quelle sera la ville de demain, en fait, quels sont les défis que doit relever la ville. Et au-delà de cette présentation qui est, somme toute, une présentation très spécifique que le réalisateur Jean-Christophe Ribault a appelée les villes intelligentes, est-ce que c'est vraiment l'avenir qui se dessine pour nous? Et surtout, où est la place de l'homme et de la nature? Voilà, c'est aussi au Festival Atmosphère. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de reposer la question du futur, mais dans cette question du futur, de voir quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la nature. Et donc, après une première ouverture avec Marie-Pierre Limoges, nous allons accueillir les intervenants, nous aurons une discussion autour d'eux, et puis bien évidemment, vous pourrez également participer au débat en posant les questions. Alors, Marie-Pierre Limoges, merci. Vous êtes donc adjointe à la mairie de Courbevoie, et également vous êtes vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc, qui a proposé en fait cette thématique pour le festival Atmosphère. Alors vous, comment, déjà pourquoi ce sujet? Pourquoi avoir choisi ce sujet? Et qu'est-ce que vous évoque le film? Qu'est-ce que vous évoque ce sujet? J'espère que la place de l'homme dans la ville ne se résume pas à des algorithmes et à du recueil de données. On a vu quelques lueurs d'espoir dans quelques commentaires qui ont été faits dans ce film. J'espère que ce ne sont pas que des lueurs. La place de l'homme dans cette ville intelligente, c'est un sujet qui me semble évident à traiter, nécessaire à traiter en tant qu'élu de la ville de Courbevoie. C'est la ville de Courbevoie qui a initié, qui a soutenu et accueilli depuis ses origines le Festival Atmosphère, depuis 5 ans, je crois. C'est pas innocent, la ville de Courbevoie est une des villes les plus denses d'Île-de-France, 90 000 habitants sur 5 km², presque autant de salariés qui viennent tous les jours à la Défense. Donc on avait un vrai défi, et le défi c'était de lancer la participation citoyenne dans la construction d'une ville soutenable. Je préfère ce mot soutenable au mot durable qu'on emploie plus souvent. Je trouve soutenable et plus juste. Donc au cœur de notre réflexion à Courbevoie, il y a la place de la nature dans la ville, la qualité de ville au service des habitants, pensée par ses habitants. On l'a lu, répété et vu dans le film, plus de 50% de la population vit désormais dans les villes, dans une urbanité diffuse, vous avez dit, j'ai bien retenu ce terme, 75% seront citadins en 2050. Les villes sont fortes consommatrices d'énergie. Plus de 75% de l'énergie planétaire est consommée dans les villes. Elles rejettent plus de 95% du CO2. Donc elles sont au cœur de tous ces défis qui se posent à nous. Le défi du changement climatique, le défi de la qualité de l'air, bien sûr, mais aussi ce défi du vivre ensemble, du lien social, qui sont des réponses à l'exclusion urbaine, à la ségrégation urbaine. On a vu au cours des siècles passés de nombreuses écoles de pensée sur les villes, des urbanistes, des sociologues, des hygiénistes, des architectes, des philosophes se sont penchés sur les réflexions des villes. On sait que la ville sera au cœur des problématiques du XXe siècle, et en même temps, c'est cette révolution technologique qui s'ouvre à nous, elle est aussi une réponse aux problématiques de la ville. Donc la ville soutenable, comme je le disais, la ville de demain, ça sera celle sans aucun doute qui saura utiliser cette technologie, mais pas cette technologie comme un simple recueil de données, comme un simple outil marketing, mais qui saura utiliser ces technologies comme outil d'échange, de créativité, de responsabilité citoyenne, et qui saura placer l'homme au cœur de sa construction. J'ai envie de dire que, on a parlé de la métropole du Grand Paris brièvement dans le film, on a suscité des tonnes de débats avec le monde politique
sur cette métropole du Grand Paris. Je regrette simplement qu'on n'y ait pas associé les habitants de cette métropole. Peut-être qu'on aurait pu trouver dans ces débats qui, pour l'instant, sont illisibles pour tout le monde, un peu plus de sens en y associant les habitants, donc l'homme des villes. Oui, alors je voulais, bon, on va être court, mais en fait, ce qui est quand même important aujourd'hui de notifier, c'est quelles que soient en fait les enquêtes, hein, qu'elles soient à l'échelle internationale, je pense notamment à la Commission nationale sur le débat public dans le cadre de la COP21, qui a lancé une des plus grandes enquêtes au niveau mondial sur comment les gens voyaient le défi des enjeux de changement climatique, que ça soit même à notre échelle au niveau du département, puisqu'il y a eu une enquête Ipsos qui a été menée sur justement comment les altosécanés, c'est-à-dire les habitants des Hauts-de-Seine, voyaient leur environnement, est-ce qu'ils étaient, se sentaient heureux, ils étaient satisfaits d'habiter dans les Hauts-de-Seine. Et ce qui a été très impressionnant, c'est que, outre le fait qu'à 84%, ce qui est énorme, les gens se trouvent heureux dans le département, tous, et que ça soit au niveau le plus local comme le plus international, voient les enjeux de la protection de l'environnement comme une des top priorités. Donc ça, ce qui est quand même important, c'est de voir que la dimension de la protection de l'environnement, de la qualité de l'air, de tout au sens large, c'est-à-dire de la question de la soutenabilité au sens large, elle est très importante. Et pourtant, on ne voit pas toujours ce qui est fait très localement ou voire internationalement, ce qui est fait sur ce sujet. Donc peut-être pas de manière exhaustive, mais si vous pouvez nous donner 2-3 exemples de démarches qui sont faites, soit au niveau de la ville de Courbevoie, soit au niveau plus largement du département sur ces questions de durabilité. La ville de Courbevoie comme le département des Hauts-de-Seine, je pense qu'ils ont la même démarche, c'est s'évertue à développer des modes de déplacement alternatifs, à faire de ces bâtiments, à donner à ces bâtiments de meilleures performances énergétiques, à préserver ces espaces naturels qui sont riches dans le département, qu'ils sont moins à Courbevoie, mais on peut développer partout des petits espaces naturels, des liaisons douces, des liaisons horizontales qui permettent de verdir la ville, même quand elle n'est pas riche en espaces naturels propres. Donc sur le département, je crois que 45% de la surface du département sont des espaces naturels, que ce soit les berges de Seine ou le patrimoine naturel existant. Donc on s'attache autant dans la ville de Courbevoie qu'au département à la préserver. Et puis il faut développer tous ces nouveaux modèles d'agriculture urbaine. Donc il y a quelques expérimentations dans le département. Voilà. Et puis encore une fois, tout ça ne peut pas fonctionner, à mon sens, sans la participation de tous. C'est aussi pour ça que vous organisez régulièrement ces entretiens à Albert Kahn sur des réflexions qui concernent les changements de nos modes de vie, qui font accéder les décideurs du département aux réflexions des chercheurs, des urbanistes, des sociologues. C'est aussi pour ça que Patrick Devedjian m'a confié cette délégation à l'économie collaborative, pour qu'on puisse aller chercher dans la société civile toutes ces petites initiatives privées, cette richesse collective qui va faire qu'on va pouvoir effectivement changer nos modes de vie de façon plus collaborative, plus participative et pas seulement technologique, même si tous ces changements s'appuient sur la puissance du numérique. Merci beaucoup pour cette ouverture. Merci Marie-Pierre Limoges. Alors, je vais proposer maintenant à nos deux intervenants de venir discuter avec nous et puis de s'installer. J'ai énormément de questions. Peut-être Paola, installez-vous, Thierry également. Alors donc Paola, donc je vais peut-être vous présenter très rapidement. Alors j'ai adoré, parce que dans le film, je sais pas si vous aviez vu le film en entier. Non, vous l'aviez pas vu. Vous êtes présentée comme une urbaniste alternative. Alors, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc, Paola Vigano, vous êtes italienne,
d'origine, vous êtes basée à Milan, vous êtes à la fois chercheure, enseignante, cofondatrice et dirigeante d'une agence d'urbanisme. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que vous êtes à cheval entre la recherche et l'opérationnel. Vous avez été sollicitée aussi sur la réflexion du Grand Paris, métropole Grand Paris, donc en tant que département, ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre regard sur la question. Et vous avez reçu le Grand Prix d'urbanisme en 2013, donc félicitations. Thierry Godin, vous êtes un de nos grands prospectivistes français, donc chercheur, docteur en sciences de l'information. Vous avez dirigé le département de politique d'innovation et de prospective au ministère de la Recherche et vous avez été à l'initiative de ce grand projet associatif qui est Prospective 2100, qui est toujours très actif et qui travaille sur plein d'enjeux, les grands enjeux en fait de notre planète. À venir, vous avez également, vous êtes à l'initiative du projet Jardin Planétaire, peut-être vous nous en direz deux mots, et puis vous avez énormément écrit, dont un de vos derniers bouquins sur l'impératif du vivant. Alors, moi j'avais quand même envie de poser la question juste un petit peu pour vous, d'abord en début, pour avoir un peu votre ressenti sur ce film. Est-ce que finalement, cette intelligence qui nous est présentée là, cette intelligence numérique, cette intelligence technologique, cette intelligence des systèmes, est-ce que ça va nous aider à être plus résilients ? Parce que vous le savez, sur la question des villes de demain, on dit souvent ben, la transition, c'est pas vraiment la transition. Ce qui va compter, c'est la capacité de nous tous, citoyens, politiques, entrepreneurs, etc., d'arriver à trouver les maillons de réinvention, de développement, d'évolution. Est-ce que pour vous, finalement, cette dimension d'intelligence telle qu'elle est présentée dans le film, c'est une source de réinvention et puis de résilience ? D'abord, merci de cette invitation. Je pense que le film est assez habile. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on commence avec une grande rhétorique de la technologie. Et au fur et à mesure que le film avance, les choses deviennent un peu moins claires. Et finalement, donc, c'est intéressant parce que cette confiance dans la technologie et qui prennent aujourd'hui ces caractères, donc la question des big data, la question de l'organisation des grandes foules, qui est quand même un thème de la métropole du début du siècle précédent, qui reviennent, a été une utopie, non ? Est une utopie. C'est une utopie qu'il faut regarder comme une utopie qui devient, au long du film, presque une dystopie. Et je pense que là, le film est habile, dans le sens qu'il nous pose la question d'une façon assez critique. Je pense que cette définition d'urbaniste alternative, peut-être, est liée au fait que dans la discussion qu'on a eue, ben, j'ai dit beaucoup d'autres choses qui allaient plutôt effectivement dans une direction critique par rapport à ce que le mainstream sur ces questions nous pose. Il y a une collègue à moi en Italie, Cristina Bianchetti, qui parle d'un nouvel fonctionnalisme. C'est un petit peu ça, en effet, c'est qu'on imagine à nouveau une réflexion tout à fait fonctionnelle, où la question c'est de faire fonctionner les choses, l'espace, les comportements, les gens. Ce type de projet a été déjà parcouru, on l'a critiqué, et maintenant, comme si on avait perdu cette conscience critique, on le propose à nouveau avec, évidemment, des caractéristiques un petit peu différentes. Donc, c'est évident que tout ça pose des questions, pose des problèmes, et que tout ça a des limites très fortes. Après, je dirais aussi que les images nous ont parlé que d'un type de ville, de la grande ville. Et là, je cite une autre personne encore plus chère, qui est Bernard Dosset, qui disait au début du XXe siècle, la question de la métropole posait beaucoup de... On avait vraiment peur de cette grande métropole en formation. Et beaucoup de théories, beaucoup d'oppositions étaient justement des choses qui allaient un petit peu contre cette idée de monstre, non, ce monstre urbain qui était la grande métropole. Aujourd'hui, il n'y a pas de pensée critique sur ça. Les mégacities, on les accepte comme un fait de nature. Hein, on parle de nature.
Donc je pense qu'il y a cette question de la naturalisation des choses qui ne sont pas du tout nature. Et ça, c'est une façon pour diminuer la tension critique. Donc on dit, bah, ça, c'est comme ça, c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. Et ce sont des projets qu'il faut continuer à interroger. Et donc je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de garder un esprit critique, parce que les transformations sont énormes et on n'a pas vraiment ni des recettes, hein, même si sur Rifkin, peut-être je reprends après, on n'a pas de recettes. Donc ce qui nous sert, c'est vraiment un esprit critique et essayer de toujours être très veillant, je dirais. Très bien, merci Paola. Pour... Alors Thierry Oui, je voudrais d'abord dire que la présence de Jérôme Rifkin dans le Nord-Pas-de-Calais a plusieurs explications. Je connais cette région, j'étais en poste là-bas pendant 4 ans, au moment où on faisait le schéma directeur qui est maintenant réalisé sur le terrain, et à la fin donc de l'époque minière, si on peut dire, hein, qui est assez présente dans le film. Alors, ce qui s'est passé, et ça depuis une quarantaine d'années, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'en effet, il y a ce déclin, hein, de l'emploi minier et en même temps le déclin de la sidérurgie et la recherche d'autres possibilités. Mais le textile, qui était le grand employeur aussi de la région de Roubaix-Tourcoing, il externalise ses emplois en Asie du Sud-Est. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gens du textile continuent à gérer, mais ils pilotent quelque chose en étant positionnés sur la mode. Et en même temps, ils font la vente par correspondance. Puisque les grands de la vente par correspondance sont venus à Roubaix-Tourcoing, y compris les Allemands d'ailleurs, et ça crée une culture locale telle que maintenant c'est effectivement une capitale informatique, avec OVH qui est le troisième hébergeur mondial, hein, et qui a été créé donc par des immigrés polonais, hein, qui est une réussite extraordinaire, parce qu'il y a une culture informatique. Donc Jérémy Rifkin, là, il est dans son élément, parce qu'il prêche, en effet, ce qu'il appelle la troisième révolution industrielle, mais, je veux dire, c'est manifestement quelque chose qui est très spécifique de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, les autres exemples qui sont montrés sont un peu complémentaires par rapport à ce travail de Jérémy Rifkin. Maintenant, bon, je voudrais quand même dire 2 choses. D'abord, quand on regarde ce film, on a l'impression que George Orwell, avec son 1984, est très présent. Hein. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose de particulièrement souhaitable. Et puis, je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi y a-t-il des villes ? Parce que ce n'est pas dans les villes qu'on produit la nourriture, par exemple. Donc s'il y a des villes, c'est qu'on s'est éloigné des lieux de production de la nourriture, et en particulier de la relation directe avec la nature, la végétation, les animaux, etc., pour aller ailleurs. Alors, les premières villes, c'était des places de marché. Le long de la route de la soie, c'est des places de marché. La route de la soie étant la communication, hein, entre la Mésopotamie et la Chine. Et puis, au XIXe siècle, c'était des concentrations de main-d'œuvre industrielle, hein, minière pour le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi les grandes usines d'automobiles, hein, le Fordisme, etc. Donc, concentration avec des conditions de travail, bon, c'est Zola, hein, certaines manières. Dans le courant du XXe siècle, c'est le maniement de l'information, en particulier l'information financière, qui a changé effectivement l'occupation des villes. On voit ces énormes gratte-ciel, hein, qui ramassent une population. On peut se demander quel est le sens de tout cela. Mais il y a autre chose qui est en train de se dessiner, c'est les pôles de recherche. Dans le cas de la région parisienne, donc le Paris de la zone de Saclay, hein,
C'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous regardez les métropoles régionales de France, vous voyez, il y a toujours un pôle de recherche qui est l'endroit qui est le plus prometteur dans l'évolution de la ville. Vous voyez, c'est à Toulouse, vous voyez, c'est à Marseille, c'est à Rennes, à Lille aussi, hein, c'est Villeneuve-d'Ascq. Bon, alors, ça ne suffit pas, tout ça. Ça ne suffit pas, parce que est-ce qu'on va conserver cette espèce de concentration de population, puisque maintenant, on peut communiquer en étant loin, hein, et par conséquent, on peut se rapprocher de la nature tout en travaillant en communication directe avec son employeur, ses clients, ses fournisseurs, etc. Donc, est-ce qu'on va voir les villes se diluer ? Ce qui est clair, en tout cas, on l'a vu ces dernières années, c'est que c'est plutôt les villes moyennes que les très grandes villes qui attirent la population. Mais maintenant, je voudrais vous montrer une carte. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez mis tout à l'heure, la carte. Je voudrais vous montrer une carte du monde. Et cette carte du monde, c'est la carte des sécheresses. Hein. Donc, c'est une carte qui a été publiée il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. Si vous regardez ce qu'a publié le GIEC, le groupe d'études du climat, à la fin de l'année dernière, vous retrouvez à peu près ça. Et ça, c'est dans l'atlas Nathan, l'atlas du 21e siècle de Nathan. Bon. Alors, les conséquences, hein, du réchauffement climatique pour les gens, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas 2 degrés de plus ou de moins. Nous avons l'habitude, entre l'été et l'hiver, n'est-ce pas ? Moins 20 et plus 30, ça fait des écarts de 50 degrés. Donc, ce n'est pas 2 degrés de plus ou moins qui vont nous gêner énormément. Hein. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais par contre, ce qui se passe, c'est les sécheresses. Et une bonne partie des migrations, actuellement, on est en train de discuter tous les jours dans la presse des migrants. L'interprétation qu'on en fait, c'est que les migrants sont chassés parce qu'il y a des conflits. C'est vrai, mais les conflits, ils ont peut-être une cause aussi. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer ici, vous voyez le pourtour de la Méditerranée atteint de sécheresse, la Californie atteint de sécheresse. Vous savez qu'on manque d'eau en Californie actuellement. Le verre d'eau dans les hôtels est payant. Et il y a toute une campagne pour essayer de diminuer la consommation d'eau. Alors, le Venezuela et le Mexique, bien sûr, qui sont des pays très peuplés, avec le Mexique qui fait une pression pour passer la frontière et aller aux États-Unis. Les États-Unis n'ont rien trouvé de mieux que de faire un mur, hein, ce que le caractère humanitaire bien connu de cette civilisation. Mais et l'Afrique du Sud, mais pas le Sahel. On a l'habitude de considérer que le Sahel est la région misérable qui attire toutes les compassions de la planète, pas le Sahel. Mais l'Inde et pas la Chine. Oui. Or, l'Inde est là actuellement une des régions du monde où la population croît le plus vite. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer ? L'OCDE vient de terminer une étude dans laquelle ils se sont posés cette question. L'étude s'appelle, en anglais, c'est « Securing livelihood for all », c'est-à-dire aménager les conditions de vie pour tout le monde. Hein. Et ils se sont demandé quel était l'ordre de grandeur des migrations à prévoir au XXIe siècle. La réponse, c'est que ça va se compter en centaines de millions. En centaines de millions. Hein. Plusieurs fois la France. Hein. Donc ça... Les centaines de millions en question, comme le réchauffement climatique qui va être peut-être de plus 1 ou plus 2 degrés à l'équateur, mais plus 10 degrés près des pôles. Donc ça veut dire que le Canada, la Sibérie deviennent habitables. Donc, flux migratoire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Actuellement, il n'y a rien pour les accueillir. Il n'y a pas d'endroit. Ils ne vont pas arriver tout nus. Si, il y a des Chinois qui ont passé la frontière vers la Sibérie pour faire de l'agriculture. C'est les agriculteurs chinois. Autrement, le flux migratoire qui est à prévoir, et vous voyez les réactions européennes ces derniers temps. Hein, Mme Merkel fait une déclaration en disant qu'il faut s'occuper des migrants, puis la semaine d'après, elle ferme la frontière. Donc...
au mépris des accords Schengen, d'ailleurs. Donc on voit très bien qu'actuellement, personne n'est prêt pour faire face à ces flux. Et ça ne sera pas seulement des accueils urbains, ça sera aussi des accueils non seulement périurbains, mais aussi, peut-être, nous avons tellement de villages en France qui ont été dépeuplés ces 50 dernières années, c'est peut-être l'homme qui plantait des arbres, la nouvelle de Jean Giono, que ces migrants vont pouvoir découvrir et animer. Mais pour ça, il faut quand même se donner les moyens. Et actuellement, je dirais, la façon dont la monnaie circule et dont elle est créée, ça produit des gratte-ciel, ça ne produit pas ce qu'il faut pour les conditions de vie de toutes ces personnes, de ces millions, centaines de millions de personnes qui vont devoir changer de vie au XXIe siècle. Oui. Merci Thierry de rappeler ça, parce que c'est vrai que pour nous, prospectivistes, on le sait, ça. Ça fait des années qu'on sait qu'on estime à des centaines de millions les risques de personnes, les risques de l'impact du réchauffement climatique sur les migrations, ne serait-ce que pour ça. Mais peut-être pour continuer sur cette question en fait, des défis majeurs des villes de demain, pour vous, Paola, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nous ? Pour vous, c'est quoi les défis de votre point de vue, hein, parce que bien évidemment, ici, c'est votre point de vue qui nous intéresse. C'est quoi les grands défis des villes de demain ? Il y a évidemment plusieurs défis. Mais je voudrais quand même rester sur la question de l'inévitabilité de la grande ville, non, de ce type de style de vie qui nous a été présenté dans ce film. Et Rifkin parlait de décentralisation. Donc, effectivement, là, on retrouve toute une pensée de l'urbanisme depuis plus qu'un siècle sur une pensée alternative à la pensée mainstream, encore une fois, principale, qui a imaginé et qui arrivait finalement à cette idée de ville compacte qui serait le maximum de la... du développement durable, etc. La question, c'est que justement, la planète a changé d'une façon totalement différente. Et oui, il faudrait mettre alors une autre carte qui montre comment finalement ces territoires urbains sont faits, hein, dans le monde. Il faudrait réfléchir sur la vaste tradition d'études de ce phénomène urbain dans le monde. Chacun, depuis des années, des décennies, a commencé à définir tout ça avec des noms différents. Donc, Sievert en Allemagne l'appelle la Zwischenstadt, donc cette ville entre les villes. Thierry McGee, un géographe canadien, mais qui a travaillé beaucoup dans le sud-est asiatique, a parlé de désaccote, encore une fois, une formation urbaine entre ville et village qui parle de cette ville qui se forme entre les villes. En Italie, on a parlé de ville-territoire depuis les années 60, etc. Donc, chaque culture, chaque lieu a exprimé finalement des idées de villes différentes. Et vous disiez, peut-être ces formes de villes sont plus capables d'intégrer et d'absorber les grands phénomènes, par exemple, de migration, qui évidemment sont une des grands problèmes, une des grandes questions que nous avons. Et là, il y a un thème très intéressant qui devient immédiatement, en même temps, d'urbanisme, mais aussi de comment on veut vivre ensemble, et aussi très politique. Parce que si on regarde en Europe, tous ces lieux un petit peu diffus, dans lesquels les gens ont choisi de vivre d'une façon un petit peu individuelle, hein, c'est l'idée du pavillon, etc., politiquement, sont en général toujours à la droite. Et donc, comment nous imaginons que ces types de territoires qui ont effectivement, d'un point de vue spatial, un capital spatial d'infrastructures, de services, d'espace, d'agriculture, pour accueillir, par exemple, les migrants, mais probablement n'ont pas vraiment culturellement encore cette ouverture. Donc il y a quand même là une petite question qui pourra probablement se poser, qui se posera, je pense. Mais ça commence à sortir, à émerger cette idée que ces territoires urbains pourraient être les lieux beaucoup plus que les grandes mégalopoles, que les grandes métropoles,
les lieux capables d'accueillir. La Sibérie peut-être, mais là, il y a quand même tout à faire, donc quand même des coûts, quand même des investissements. Les lieux qui sont déjà infrastructurés et qui ont finalement une certaine générosité, une certaine résilience de l'espace, dans le sens d'un espace qui peut absorber, justement, qui peut être, qui, on aurait dit il y a quelques années, poreux, non, capable vraiment de... C'est peut-être justement cette partie, et là j'y mettrai aussi les villages abandonnés, parce que abandonnés, ils ne sont pas vraiment abandonnés, mais dans la vallée de la Durance de Gionon, il y a quand même il y a ce phénomène de retour et de réutilisation même de ces villages. Il y a une grande tradition de dispersion en Europe. L'Europe a été habitée d'une façon diffuse dans le passé. À un certain moment, c'est cette pensée unique, non, de la ville qui devait tout résoudre, un petit peu occultée, cette longue pensée. Mais si on prend même les débats sur les grandes transformations au début du XXe siècle, il y avait déjà des personnes comme Wells, hein, H.G. Wells, l'écrivain de science-fiction, qui décrivait déjà l'Angleterre comme un grand pays urbain, totalement urbain et urbanisé, et dans lequel justement les différentes activités, l'agriculture, la nature, tout ça était exactement là. Parce qu'il faut se souvenir aussi une chose, c'est que nous avons choisi d'habiter dans les lieux fertiles. Donc la production agricole en général n'est pas vraiment ailleurs, elle est plutôt proche. Parce que les villes, les petits centres, l'habitat dispersé a choisi des lieux fertiles pour habiter. Et donc, c'est avec cette condition, je pense, qu'on peut imaginer une ville du futur. Donc, à cette pensée un petit peu unique de la grande congestion de la ville mégalo, je pense qu'il faut quand même opposer des formes d'urbanité différentes. La décentralisation de la production d'énergie va évidemment nous aider, et le changement climatique aussi, parce que c'est vrai qu'on pourra revenir habiter des lieux qu'on avait habités. On pense, par exemple, aux vallées alpines, qui aussi vont peut-être retrouver des conditions d'habitabilité plus intéressantes. Et je pense que là, ça nous permettrait de mieux utiliser ce capital spatial qui est l'Europe. Parce que l'Europe a été habitée pratiquement dans toute son entièreté. Et donc, il y a une couche très épaisse d'infrastructures qu'on peut réutiliser, qu'on peut réimaginer. Et donc, c'est l'idée vraiment de l'énergie grise. Donc, comme sera la ville du futur, mais probablement assez proche de la ville du présent, mais avec cette possibilité de réutiliser ces couches d'infrastructures qui sont déjà là. Mais la nature dans tout ça, j'ai envie de poser la question de la nature. Parce la que... nature est dans la ville. La nature, exactement, à part le fait que nous sommes nature. Hein. Oui. Je suis très intéressée à votre dernier livre, que je ne connaissais pas, mais le titre m'intéresse. Je pense qu'il faut quand même... d'abord se dire que la question d'un projet qui concerne la vie, donc un projet biopolitique, ça revient comme une question importante quand on pense à la ville du futur. Le thème de la vie est dans tous les débats, même quand on parle du désert, quand on parle des grandes migrations, quand on parle du changement climatique, quand on parle des styles de vie, on ne fait que parler de vie. Et ça, c'est une nouveauté, parce que après le mouvement moderne, on avait un petit peu laissé cette question à part. Et là, alors, je pense que là, il y a vraiment beaucoup sur quoi réfléchir. Et c'est le mouvement moderne avait exprimé un projet biopolitique. C'était un projet finalement d'égalité, non, d'un traitement diffus de bien-être, hein. L'État, la Providence, tout ça c'est couplé avec la reconstruction des villes après la guerre, une idée vraiment élargie de bien-être. Mais ce projet-là, qu'on a critiqué durement, aujourd'hui n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, le projet qu'on voit à l'œuvre, c'est un projet d'exclusion. Et donc, je pense qu'il se pose quand même une question d'un nouveau projet biopolitique. Il ne sera pas celui du mouvement moderne, mais alors, c'est quoi la ville vivante, alors? Parce que c'est vrai que vous avez l'air de dire que la vie s'impose. Je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas l'impression, pourtant, quand on regarde ce film, que la vie s'impose. C'est quoi une ville vivante? Ça serait quoi, alors, une ville vivante? On laisse pas de...
Oui, je crois que peut-être il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser des questions, mais je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que dans ce que dit Rifkin, il met l'accent sur les communications et l'informatique, mais il ne dit pas qu'effectivement ça va permettre une communication lointaine, c'est-à-dire avec des petites villes et pas seulement des très grandes structures. Donc c'est là que, effectivement, un deuxième point, c'est là qu'on peut imaginer une autre forme de symbiose avec la nature. Donc dans les images qui venaient d'Allemagne, on voyait des immeubles dans lesquels il y avait de la végétation. Donc ça fait partie des choses qui sont actuellement étudiées, pas seulement à la Commission européenne qui a fait deux ou trois bouquins sur le sujet, mais vous avez dans le quartier de la très grande bibliothèque, vous allez avoir un immeuble qui sera entièrement couvert de végétation. Avec, effectivement, alors je ne sais pas s'il produira suffisamment de légumes pour pouvoir nourrir les habitants de l'immeuble, mais ce sont des choses qui commencent à se faire. Je ne sais pas si il y a des projets architecturaux tout à fait impressionnants, même sur Paris, où on voit les immeubles de la rue de Rivoli avec des végétations qui tombent des fenêtres. Donc ce sont des choses qui sont un petit peu dans les rêves actuels des architectes et des urbanistes. Mais évidemment, ça suppose une évolution quand même importante par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, qui est simplement de la surface en superposition, en superposant des étages. Et du coup, est-ce que cette ville vivante, enfin, elle a à voir avec en fait ce que vous appelez les lieux significatifs ? Est-ce que les lieux, parce que à un moment donné, dans votre interview là, dans le film, vous parlez de finalement ces villes qui se développent à travers, et vous, d'ailleurs la question vous était posée, je crois, par rapport au Grand Paris, c'est-à-dire que l'enjeu c'était de faire émerger des lieux significatifs. Donc moi j'ai compris que les lieux significatifs c'était à la fois des lieux riches culturellement, socialement, technologiquement, économiquement, et du coup ça m'intéressait de savoir comment on peut finalement renforcer ces lieux significatifs, parce que pour le projet du Grand Paris c'est très intéressant puisqu'il y a deux écoles, il y a l'école qui voit un Paris très intramuros et puis un Paris beaucoup plus large, donc... Oui, mais le Grand Paris, c'est un territoire magnifique. Non ? Et donc, c'est vrai que la réduction à Paris, c'est une réduction, parce que les qualités, les paysages sont vraiment extraordinaires. Et finalement, c'est vrai qu'on a plutôt l'attention toujours sur ce petit Paris-centre. Mais la question du vivant n'était pas que dans l'idée des lieux significatifs. Les lieux significatifs étaient vraiment... imaginer comme une façon de rendre plus visibles les grandes différences culturelles, ethniques, non, de mode de vie qui sont dans le Grand Paris. Et là, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup à faire. On sait bien le niveau de ségrégation qui est dans le Grand Paris. C'est quelque chose qui nous a plutôt choqués, je dois dire. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attend pas, quand on vient à Paris, en France, de trouver des choses comme ça. Je trouve que là, il n'y a pas assez de conscience, assez de réaction et de conscience par rapport à ça. Mais c'est impressionnant. Et donc, là, l'idée de tout simplement d'une carte, c'était une carte qu'il fallait continuer à enrichir, qui n'est jamais finie, dans laquelle ces lieux significatifs pour des groupes différents. C'était que ça, c'est pas pour tout le monde, pour des groupes, mais pas que pour quelques groupes, pour tous ceux qui ont, finalement se retrouvent dans quelques lieux, dans quelques types d'espaces. Donc c'est une carte un petit peu idéale, mais on avait quand même commencé à la faire. Et finalement, quand cette carte se remplit, on comprend qu'il n'y a pas que le petit Paris, mais que vraiment c'est quelque chose qui concerne un territoire beaucoup plus vaste. La question du vivant, on l'avait aussi traité, par exemple, dans la question de l'eau et des relations biotiques dans la ville. Et ça permet, par exemple, de regarder la question du risque et du changement climatique comme une occasion, non seulement comme un problème. L'idée que finalement l'eau puisse retrouver son espace, puisse échanger avec les autres milieux. L'idée d'un rapport à l'écologie différent. Mais
Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer ou qui vient automatiquement. C'est vraiment un processus. C'est vrai qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus attentives à la relation à la nature et d'autres cultures qui sont, le sont moins. Je pense que la France n'est pas la plus attentive à la question de la oui. nature. Et donc, il y a une sorte de processus culturel, je pense. Et cette nature n'est pas que quelque chose de positif ou de beau ou de facile. Une nouvelle relation à la nature nous demande... C'est une vision du monde qui change. Si on regarde à tout ce qu'on a, dont on parle, la question énergétique, la question des différences entre les populations, etc., du point de vue, par exemple, de l'écologie profonde, on va regarder les choses différemment que si on prend tout simplement la question technologique, un petit peu la logique du cradle to cradle. Hein? La logique cradle to cradle, du berceau au berceau, je pense en français, c'est un petit peu une idée où la technologie sera toujours capable, finalement, avec ce cycle et recyclage, de résoudre les questions. Si on regarde les mêmes thèmes par le point de vue de l'écologie profonde, on verra des choses totalement différentes. La question des conflits ou des nouvelles alliances qui vont se poser avec la nature sont totalement différentes. Je pense que nous avons un petit peu besoin aussi de ce type de débat, un petit peu fondamentaux, parce que les questions desquelles on parle sont des questions vraiment de ce type. Oui, alors je vais prendre des questions dans la salle ou des commentaires sur aussi, peut-être si vous avez envie de réagir à ce film, comment vous l'avez ressenti, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à nos intervenants? Est-ce qu'il y a des... Oui, madame? Voilà. Ben là, je ne sais pas si... Ah, il y a un micro, voilà, dans la salle, oui. Je vais prendre, parce que c'est important aussi d'avoir votre ressenti, même par rapport au film, s'il y a des questions. Bonjour, donc moi je m'appelle Dominique Thomas, je suis une enseignante d'un lycée d'établissement scolaire dans le Var. Et donc j'ai trouvé ce film intéressant au niveau pédagogique, au niveau des questions que ça peut soulever. Moi, il y en a une qui m'est apparue, c'est quand j'ai entendu le passage sur la gestion des flux. Qui permet d'accélérer les flux, donc d'augmenter les flux par voie de conséquence. Mais si on considère justement une progression écologiste globale du futur, on ne peut pas penser comme ça. C'est-à-dire qu'on va penser justement de modérer les flux, de venir à un autre comportement de vie. Par rapport à ça, donc de ne pas s'en aller vers une consommation infinie des flux. Or là, la gestion numérique des flux est présentée comme ça. Donc je tenais à rajouter cette grosse préoccupation majeure qui est c'est le futur pour moi. Voilà. Si vous voulez réagir. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. Hein. Il y a un informaticien qui a eu un contrat et on fait un peu de publicité autour de l'habileté de cet informaticien, mais ça ne va pas plus loin. Et vous avez tout à fait raison. Ceci dit, pour nous, effectivement, le problème, c'est pas, je veux dire, tellement de remédier à 1% ou 2% des engorgements. C'est un autre rapport avec la nature. Donc nous avons appelé ça un jardin planétaire, hein, parce que le jardinier, c'est un gardien, étymologiquement, hein, un gardien de la nature. Et on voit petit à petit, d'ailleurs, les mentalités évoluer. Il y a une discipline scientifique qui n'existait pas il y a 40 ans, qui s'appelle l'éthologie. Enfin, si les premiers éthologues, Conrad Lorenz, commençaient à travailler un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'idée qu'on a quelque chose à dire aux animaux, qu'il y a une communication entre les animaux, il y a même une communication avec les plantes, et que cette communication elle est bénéfique à la fois pour la plante et pour la personne qui communique avec la plante. Donc l'ensemble du vivant, ça forme un tout.
et qu'on a eu tort, dans la civilisation industrielle, de mettre des coupures. Coupures entre les hommes et les animaux, coupures entre les vivants hommes-animaux et puis la végétation. Et que notre rôle en tant qu'espèce dominante, c'est de prendre soin des autres. Alors on retrouve d'ailleurs les enseignements de ce qu'on appelle couramment les peuples premiers, qui, eux, du fait de leur mode de vie, ne peuvent pas faire autrement que d'être en symbiose complète avec la nature. Je pense que si on veut redonner une place donc, à cette nature, et nous dans la nature, justement, il est question d'une désaccélération de nos modes de vie, de nos comportements. Donc c'est très profond, ça va, c'est pas facile. Paola, là-dessus, sur... Bon, alors là, on est encore sur un autre sujet, mais qui est celui, en effet, du rapport au temps, du rapport à... Comment vous voyez cette ville de plus en plus accélérée, un peu comme... Il y a un phénoménologue du temps, Hartmut Rosa, qui est un Allemand, qui a beaucoup travaillé pour expliquer, justement, essayer de nous faire comprendre ce nouveau rapport au temps. En fait, on a différents rapports au temps, selon l'individu. Moi, je trouve qu'il y a une question qui m'interpelle dans la ville de demain, c'est le côté, finalement, de notre diversité humaine. On est tellement différents, on a tous des aspirations tellement différentes. Je me dis comment aujourd'hui, en tant que même urbaniste, j'ai vraiment cette question, on peut prendre en considération cette diversité, finalement, qui est cette biodiversité culturelle, qui est très riche. Comment on peut faire dans la mise en action pour penser les villes de demain, les construire, les développer ? Je pense que la ville de demain nous demande de repenser l'espace public d'abord. C'est-à-dire qu'il y a cet espace dans lequel on peut être ensemble, même si différent, même si individu, en tant qu'individu. Et je pense que les choses qu'on est en train de faire, qu'on a fait, sont quelquefois des petits tests, non, de cette possibilité de vivre ensemble. Nous avons réalisé un parc à Anvers, qui s'appelle le parc de Spoor Nord, qui était dans la partie la plus pauvre de la ville. Et c'était pour ça que ce parc avait des financements européens et régionaux pour sa réalisation. Donc le risque, l'ambition de la ville était d'avoir un parc métropolitain du XXIe siècle. Et le risque était justement de faire le parc dans les quartiers les plus pauvres, donc, qui aurait probablement été utilisé peut-être par une population plus limitée. Mais même le contraire était possible, que le parc métropolitain n'était pas peut-être utilisé par des populations qui n'auraient pas senti d'être bien accueillies, disons, dans cet espace. Et finalement, cet espace dans lequel des petits dispositifs, vraiment, dans l'espace, comment on dessine l'entrée dans le parc, comment déjà, quand on met le pied, on se sent dans le parc, on peut faire des choses, on peut rester, on peut se rencontrer déjà immédiatement. Comment ce n'était pas nécessaire d'arriver au centre pour se sentir quelque part. Des petites réflexions que nous avons faites, mais assez conscientes, je dois dire. Ce n'était pas comme ça, comme de fantaisie. On s'est posé la question, vraiment, de comment finalement ce lieu pouvait être un lieu ouvert à tous. Et ce parc est maintenant étudié par les sociologues parce qu'ils trouvent que c'est un lieu vraiment de grand partage. Et là, on trouve les couches sociales, les gens âgés, les enfants, les jeunes, les couples, les familles. On fait de tout, on va se marier là, on fait de... Donc vraiment, c'est devenu un lieu de centralité, mais d'une centralité un petit peu différente de celle... Alors, je ne veux pas dire que ce soit... Mais ce que je veux dire, c'est que... Je reviens à la question de l'utopie. Parce que, comme vous savez, l'année prochaine, c'est le 500e de la publication du livre « Utopie » par Thomas More. Et donc, on est tous un petit peu en attente de ce moment. Et donc, revenir à parler de l'utopie, parce que l'utopie est d'un côté une réflexion critique sur la réalité. Et donc, on a besoin d'utopie, justement, pour continuer à réfléchir sur ce qui ne marche pas dans la vie de tous les jours. Et de l'autre côté, c'est ces petits expériments. Chacun de nous, par ce qu'on nous faisons, on essaie toujours de mettre un petit morceau d'utopie, quelque chose qui va au-delà, soit de la simple fonctionnalité, soit de la simple solution. C'est quelque chose qui concerne vraiment des aspirations, non, quelque chose que nous avons.
Et je pense que le projet de l'espace, le projet de l'espace public en particulier, se charge et devrait se charger encore plus de ces petits fragments d'utopie. Parce que ou bien on arrive à trouver une façon de vivre ensemble en se respectant, et sinon il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y aura que cette ségrégation que, je répète, je vois comme un problème majeur ici. Pas partout, mais ici. À Paris. Oui. Et donc, je pense que là, l'espace, le projet de l'espace peut faire quelque chose, peut donner des conditions. Donc, mais il faudrait explorer, il faudrait faire probablement beaucoup plus dans le Grand Paris, pas que dans Paris, mais surtout dans le Grand Paris, pour casser tout ça, pour imposer une idée d'un espace différent. Imposer, je veux dire, donner la possibilité d'utiliser un espace différent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, il y a une question supplémentaire, c'est est-ce que Internet fait partie de l'espace public? Oui, je pense qu'Internet fait partie, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin je trouve qu'Internet et tout le succès de network qu'on a inventé, ça le montre, c'est quelque chose de très important, mais non, on ne peut pas imaginer que le problème de la ville soit là, seulement. Est-ce qu'il y a d'autres, oui, monsieur, là, commentaires ou questions? Madame, là, il y a le monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi, je m'appelle Yves Gillois. J'ai regardé le film avec beaucoup d'attention. Je suis très inquiet, moi. Et je voulais notamment vous dire comment on pourrait faire demain pour que les gens deviennent acteurs de leur avenir. Parce qu'évidemment, moi, j'ai une expérience où j'ai été élu, je suis nantais. On a essayé d'expliquer ce qu'étaient les métropoles, ce qu'étaient les SCOT, ce qu'étaient les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Mais en fait, c'est une infime partie des gens qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait par des gens un peu élitistes, des intellectuels. Et malheureusement, ce n'est pas dans nos systèmes éducatifs, peut-être à part les écoles, certaines écoles ou disons, certains centres socioculturels. Mais je trouve ça très inquiétant que les gens ne soient pas acteurs dans leur devenir, quoi. Et comment faire? Est-ce qu'il faut passer par l'éducation nationale ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Non, c'est une très bonne question. Et justement, je veux dire, les moyens informatiques, tels qu'ils sont présentés dans ce film, sont au service d'un pouvoir qui est un pouvoir de canalisation de la population. Il n'est absolument pas question de population devenant active pour utiliser ça à ses propres besoins. Or, c'est pas très réaliste parce que effectivement, qu'est-ce qui se passe dès l'adolescence aujourd'hui? Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils créent des jeux et la créativité populaire malgré tous ces systèmes bureaucratiques, la créativité populaire, elle s'exprime. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait un peu plus réfléchir au fonctionnement de l'école dans un système comme celui-là. En particulier, il y a tout le problème qu'on appelle le cours inversé. C'est-à-dire dans lequel ce sont... les élèves qui, en utilisant Internet et les moyens informatiques, défrichent une question et qui viennent après, une fois qu'ils ont fait le travail sur Internet, poser des questions complémentaires au prof, éventuellement constater son ignorance. Donc, c'est-à-dire que le rapport peut s'inverser et ça se fait dans un certain nombre d'endroits. Donc le film par rapport à ça est à mon avis en retard d'au moins 10 ans. Hein. Ceci dit, Jérémy Rifkin a un beau contrat de la région du Nord. Hein, C'est difficile. La question que vous posez, c'est très large. Et nous, moi, je suis qu'un architecte, un urbaniste.
Je suis un professeur, donc c'est vrai que la question de l'éducation me touche particulièrement. Et c'est vrai que revenir peut-être au débat des années 70, revenir à des auteurs comme Ivan Illich, déscolariser la société, ça pourrait être une lecture intéressante à refaire aujourd'hui dans un contexte différent. C'est clair que l'école et l'éducation, c'est absolument élitiste, souvent, dans beaucoup de situations. Encore une fois, je dois dire en France en particulier, plus que, par exemple, en Italie ou dans d'autres lieux. Et donc, d'abord, il faudrait vraiment imaginer une qualité qui soit la même pour tous. Déjà, ça serait quelque chose de révolutionnaire. Et après, je trouve que devant toutes ces questions, vraiment, il n'y a que l'élaboration d'un esprit critique. Donc, l'éducation, c'est surtout ça, à mon avis. Moi, ce que je fais avec mes étudiants, c'est de parler avec eux pour qu'ils puissent élaborer leur position critique. Plus que ça, on ne peut pas faire. Éducation populaire, oui, c'est vrai. Mais il faut peut-être construire, encore une fois, une relation avec l'espace et les lieux où ça pourrait se donner différent. Ouvrir, donner des possibilités. Je reste un instant sur la question de la possibilité, si je peux. La question de la possibilité qui est, à mon avis, ce qui lie le présent et la lecture, la compréhension du présent et le futur en tant que lieu dans lequel les possibilités pourraient éventuellement se trouver. Mais nous, on reconnaît les possibilités surtout avec une connaissance précise du présent. Et donc, cette nécessité de lire, d'interpréter le présent, je le dis du point de vue de la ville, de l'espace utilisé tous les jours par les gens, c'est peut-être une façon de construire aussi des projets de la ville qui sont un petit peu différents de ces choses un petit peu standardisées, hein, qu'on a pris l'habitude de mettre sur les villes comme des projets qui n'ont aucune ni liaison et ni relation avec ces contextes. Donc, comment lire ce présent, ce qui veut dire aussi comment parler, comment imaginer que les habitants sont des acteurs, c'est une question majeure. Des pratiques de participation, il y en a beaucoup, mais de vraiment effectives, il y a très peu. La rhétorique est toujours règne, toujours dans ces types de choses qui sont souvent très instrumentalisées politiquement. Et donc, je pense que là, il y a vraiment de la matière pour de l'innovation à faire, mais surtout avec une innovation mentale, parce qu'on veut arriver effectivement à quelque chose de différent. Ce n'est pas une réponse, je m'excuse. D'autres, oui, monsieur ? Merci. Donc Thierry Gervais, je vais plutôt valoriser la casquette au titre d'une fondation qu'on a montée avec deux amis qui s'appelle Humaninov et qui prône l'innovation sociale, l'intelligence collective. Et au profit de cette fondation, on se rend compte qu'il y a énormément d'innovations qui sont impulsées par les populations. Mais du fait d'absence de processus d'intelligence collective, de benchmark, de concertation, de synergie, qui ne sont donc pas mises en œuvre au niveau national ou même international, et bien les projets, les initiatives s'arrêtent très vite. Mais personnellement, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de la population et il n'y a pas la volonté, ou en tout cas, il n'y a pas la synergie globale mise en œuvre. Donc là, je pense particulièrement au rôle politique des pays occidentalisés, tout au moins, qui peut-être n'est pas suffisamment mise en œuvre. Si on remet en plus ce débat en lien avec le développement durable, qui est quand même le thème principal d'Atmosphère 21, c'est d'autant plus dommageable de mon point de vue, puisqu'il y a une étude qui a été faite par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui mentionne effectivement que si on arrive à ne plus dépasser le nombre de villes qui sont au-dessus de 5 millions d'habitants sur Terre, d'ici 2050, mécaniquement, on aura déjà 30% de gaz à effet de serre en moins.
Donc, c'est quand on juxtapose ces deux propos, des initiatives réparties un petit peu partout sur les territoires, en tout cas en France, et qui ne sont pas suivies d'effet, une centralisation qui, elle, malheureusement, a des conséquences négatives sur le climat. Franchement, je me dis, là, il est urgent quand même que nos politiques puissent jouer un rôle déterminant à la matière. Voilà, c'était une simple remarque. C'est ce qu'on essaye de faire nous-mêmes au titre de la Fondation. Oui, mais en effet, il y a en ce moment une grande polarisation en cours. C'est le résultat des dernières décennies, non, où finalement ça a été un petit peu un pouvoir qui poussait dans cette direction. Mais même en Chine, par exemple, on arrêtait l'idée qu'il fallait quand même concentrer tout le monde à Shanghai et à Pékin et dans les autres villes plurimillionnaires. Et maintenant, la politique est complètement renversée. Maintenant, il faut soutenir les autres territoires. Mais ce qui s'est passé dans ces années, c'est vraiment une marginalisation de beaucoup de territoires. Donc, d'un côté, on a ce qu'on voit dans ce film, mais de l'autre, on a des territoires abandonnés. Et donc, c'est peut-être arrivé à nouveau le moment de rétablir, de repenser ces relations entre les différentes parties et se demander à qui fais-je finalement cette polarisation. Parce que, au côté, si on revient sur la question du Grand Paris, je pense que même à cette échelle-là, votre discours aurait du sens. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de propositions. On pourrait faire beaucoup plus sur ça, mais justement, il y a une sorte de paralysie, non, sur la question du Grand Paris. Et même les architectes et les urbanistes qui travaillent sur le Grand Paris, dans l'atelier international du Grand Paris, ont beaucoup de peine à pouvoir discuter, débattre de leurs pauvres, modestes idées. Ce n'est pas possible. Nous avons proposé depuis des années cette idée des traversées, non ? Alors, les traversées, c'est des espaces de perméabilité, de connexion, des espaces publics, des supports, du transport en commun, la possibilité de requalifier, de recycler, par exemple, les tissus qui sont traversés, qui sont quelquefois des quartiers un petit peu dégradés ou qui sont des lieux qui ont besoin d'être repensés. Moi, je ne sais pas si ça, c'est une idée correcte ou pas correcte, mais j'aurais aimé quand même la discuter. On l'a proposée en 2009, donc on a continué à la reproposer. Ces traversées, si on était aux États-Unis, on les aurait peut-être appelées les « greenways », et on aurait des comités des citoyens qui s'engagent pour réaliser ces nouvelles continuités, ces nouvelles lieux de connexion. Ici, nous, on n'arrive même pas à poser la question, on n'arrive même pas à en parler. Je vous en parle ce soir, je profite de ce soir pour en parler à vous. Donc l'idée, ce serait celle de cette nouvelle perméabilité à l'échelle du Grand Paris qui donnerait une structure spatiale un petit peu différente, c'est-à-dire non pas centrée que sur Paris, donc sur relation centre-périphérie, mais en assumant ce territoire métropolitain dans son entièreté et en renforçant les relations entre les différentes parties de cette grande métropole. La construction de ce projet n'est pas un projet qui peut venir d'un haut et qui se réalise, c'est pas du tout ça. C'est plutôt l'idée que c'est une sorte de cadre dans lequel une quantité d'autres projets pourraient se situer et qui pourraient finalement générer à la fin cette nouvelle perméabilité. Donc typiquement un projet que, comme je l'aurais dit, aux États-Unis serait supporté par une quantité d'associations qui se trouveraient plus ou moins le long de cette traversée et qui pourraient devenir finalement un projet collectif. Donc ma question est, est-ce que vous pensez que ce type de projet est un projet qui s'est construit comme ça et non pas comme une décision qui l'impose et qui le dessine et qui le réalise, serait quelque chose de possible ? Si je prends l'exemple, vous parlez des États-Unis, en fait on connaît bien l'exemple du Québec, hein, puisqu'on a développé une méthodologie de co-construction d'intelligence collective avec une université à Gatineau, pour être précis.
à côté de Montréal. Et dans cette université, certaines études ont été faites et qui attestent effectivement que les projets qui sont managés avec une méthodologie d'intelligence collective ont déjà à peu près 40% de plus de chances d'aboutir que des projets qui ne le sont pas. C'est normal, hein, bien sûr, il y a des apports de compétences, de ressources, de moyens qui peuvent pas être envisagés autrement. Et je pense que c'est... excusez-moi, mais je pense que c'est pas seulement la raison, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des moyens, c'est parce que les gens, dans leur ensemble, qui ont des initiatives, se sentent supportés. Ils sentent effectivement qu'il y a une vraie démarche. Et il n'était pas comme ça il y a encore une quinzaine d'années, hein, à Montréal. C'est vraiment une ville qui est très bien tenue, avec une main de fer, entre guillemets, hein, et les gens utilisaient les infrastructures, mais sans être des consommateurs, entre guillemets. Ils étaient des consommateurs purs. Et donc, il y a eu une révolution. Je suis convaincu, effectivement, que cette notion d'intelligence collective a joué un rôle. Les gens se sont sentis dans un débat, se sont sentis valorisés, et surtout, ils ont vu un intérêt. Parce qu'il y avait des financements, bien sûr, qui sont venus. C'est pour ça que je parlais aussi du rôle du politique. Le politique fait un arbitrage en termes de financement, quand même. Évidemment, ils ne sont pas infinis, mais on peut les attribuer peut-être sur des initiatives citoyennes un peu plus que ce qu'on fait actuellement en France, en tout cas sur Paris, par exemple. Donc, vraiment, l'exemple du Québec est criant de vérité, je pense, oui. Oui. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, cette discussion sur le pouvoir latéral, parce que moi, j'ai vécu dans plein de pays européens, à l'étranger, etc. Et je trouve que, vraiment, ce qui caractérise la France, c'est justement ce pouvoir citoyen des associations. Le festival, ici, c'est une association, d'abord, au niveau du pacte civique, au niveau de la qualité démocratique. Vous parliez de la qualité, aller faire parler les gens qui, justement, naturellement, ne prendraient pas la parole. En France, on a énormément d'actions associatives. On a beaucoup de gens, justement, je trouve, très engagés. Alors, c'est intéressant, cette discussion, parce que je me rends compte à quel point ma représentation de la France est très différente. Je trouve que, au contraire, on a beaucoup de gens qui changent le paradigme. Le changement de paradigme, il est très visible. Les gens veulent une protection de la nature, ils veulent vivre autrement, ils veulent, je crois qu'ils sont inquiets pour les générations à venir. Ils sont très actifs, je crois, sur ces questions. Alors après, la question qui se pose, c'est plutôt la question de la reliance, c'est-à-dire comment relier toutes ces énergies créatives, souvent individuelles, où les gens ont envie, ils font, ils bougent à leur niveau. Regardez, sur les questions de durabilité, de soutenabilité, ça bouge beaucoup. Mais la question, c'est plutôt le pouvoir global, collectif, c'est-à-dire aussi cette mise en mouvement de tous ces gens. Donc, si la traversée que vous proposez, elle est dans ce sens-là, je pense que, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a au contraire beaucoup d'énergie créative individuelle, mais que la question, c'est comment vivre cette dynamique. J'ai justement dit ça. Je dis que en France, comme ailleurs, je te dis que le tissu associatif est très fort dans beaucoup de pays. Donc c'est quelque chose qui se voit. Heureusement, oui. Je dis que tout simplement que, par exemple, si on prend la question du Grand Paris, c'est très difficile d'arriver à avoir un débat avec tous ces gens-là. Et donc finalement, il y a une déconnexion totale. Et là, je ne comprends pas. Excusez-moi, je fais juste une intervention parce que vous disiez tout à l'heure, donc là, je m'adresse à Paola Vigano. Moi, je suis paysagiste, Karine Pégère, et nous avons monté une association qui s'appelle Nature en Toi, qui regroupe des Européens, mais aussi internationalement, un regroupement de scientifiques, particulièrement sur le végétal en ville. Et donc, à partir de là, on parlait du vivant, et vous disiez tout à l'heure que des endroits qui pourraient être des liants, justement, de biodiversité verte. Donc, c'est faux, ils existent. Nous avons fini la recyclerie qui est à Paris, qui est la première ferme urbaine à Paris qui a été montée, avec beaucoup de difficultés, mais c'est fait. Donc, je ne comprends pas cette... Il y a des initiatives. Mon expérience fait partie de... Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'initiative, madame. Mais effectivement, il y en a plusieurs. Hein. Toute la trame verte qui est montée sur Paris est une chose qui existe. Ce sont des délaissés qui sont repris par la population. Mais c'est vrai qu'on laisse peu de place à la société civile. Je suis un peu d'accord avec le monsieur qui disait tout à l'heure et qui parlait de problèmes d'éducation.
il est clair que notre esprit critique est peut-être pas suffisamment développé, mais il y a certaines choses qui se sont faites à Paris, qui se sont faites dans d'autres villes en France, mais par contre, l'information ne passe pas. Il est très rare d'avoir un retour sur les expériences de ce type-là, ce qui est bien dommageable. Et ensuite, le rapport qu'en France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose, le rapport au vivant et le rapport à la nature que nous avons, c'est vrai que c'est notre culture qui fait que nous sommes un peu conditionnés de cette façon-là. Par exemple, sur la ferme urbaine dont je parle, qui est l'ancienne gare d'Ornano, qui est la petite ceinture, qui est complètement en train de se transformer. Il y a beaucoup d'initiatives tout au long de la petite ceinture qui fait tout le tour de Paris, qu'on peut aller voir sur différents axes, comme le 15e arrondissement, mais le 18e, le 19e. Donc toutes ces initiatives, elles sont formidables et beaucoup de citoyens les font. En revanche, il est vrai qu'en tant que paysagiste, j'ai d'ailleurs pas entendu une seule fois le mot paysagiste. On parle d'architecte, on parle d'urbaniste, mais jamais le végétal est présent. La nature était juste là avant nous. C'est vraiment dommageable qu'on l'oublie à ce point et que les architectes, et là, c'est les architectes en général, mais ils ne sont pas formés, c'est pas forcément que de leur faute, n'associent pas systématiquement dans tous les projets des botanistes dont nous faisons partie. Je peux citer tout cet exemple. Nous avons fini l'Arche des Petites Bêtes à Thoiry. Pour faire cette réserve naturelle, il nous a fallu faire preuve d'associer architecte et associer paysage. C'était jamais fait jusqu'ici. Et il a fallu que chacun fasse un chemin l'un vers l'autre. Et après, l'administration française, effectivement, peut-être par rapport à l'Italie, mais je travaillais avec l'Angleterre, ils ont les mêmes problèmes que nous. Les administrations sont très, très, très lourdes et tellement structurées que lorsque l'on veut faire des projets innovants, nous avons des tas de soucis et des tas de leviers, des tas de freins à soulever. Et tous ensemble, on peut le faire. La seule chose, c'est que le business prend très souvent le pas. Je trouve un peu hypocrite de ne pas parler de ce sujet-là. Oui, enfin, moi, je suis tout à fait votre... J'entends tout à fait votre discours et je crois que, sur le principe, vous avez raison. Il ne faut pas non plus complètement minimiser les initiatives. Il y a une école du paysage qui a été créée. Il y a des architectes, des paysagistes comme Gilles Clément ou Patrick Blanc sont très connus. Il y a le concours... des jardins à Chaumont sur Loire. On a l'impression que maintenant le paysagisme prend une dimension comparable à l'architecture et que donc on n'est pas tout à fait égalité, mais ça commence à se faire. Je veux dire, Gilles Clément, il a quand même aménagé le parc André Citroën en plein milieu de Paris. Hein. C'est pas rien, plus un certain nombre d'autres choses. Et puis vous savez certainement que à Versailles, au potager du roi, donc le projet, c'est de faire une Villa Médicis des paysagistes. Donc c'est pas, je veux dire, les initiatives existent, elles sont pas du tout nulles. Et je pense qu'elles sont très bien accueillies par le public. Le problème que nous avons aussi, c'est la presse. La presse et la télévision. Fort heureusement, vous avez peut-être vu que certaines chaînes de télévision commencent à avoir des difficultés financières parce qu'elles sont un peu délaissées par le public. Mais il y a une pauvreté dans l'information qui est diffusée dans le grand public par rapport à ce qui se fait réellement. Vous avez raison de dire, finalement, les grandes choses naissent dans de petits groupes. Et par conséquent, c'est au niveau municipal, c'est au niveau de quelques initiatives de groupes de gens, d'associations, que les choses importantes sont en germe. Mais évidemment, elles sont en dessous du champ de vision de la grande presse et de la télé. Et c'est bien regrettable. Oui, je pense que votre commentaire était un petit peu divisé en deux parties. Il y avait une partie sur
peu la défense du métier du paysagiste, mais personne n'a mis en discussion ça. Moi, je suis dans le comité scientifique de l'école de paysage de Versailles, donc je connais assez bien l'école, et je pense que l'urbanisme n'a que gagné d'une ouverture au thème de paysage et aussi au thème de l'écologie, qui ne sont pas exactement la même chose. Et souvent, on voit qu'il y a même chez les paysagistes un problème de ne pas considérer ça. Et l'autre partie de votre commentaire, vous avez pensé que je disais qu'il n'y avait pas d'initiative. Je disais exactement le contraire. Je dis que on n'arrive pas à souder un petit peu ces initiatives qui probablement ont des idées en commun. C'est-à-dire qu'ils proposent peut-être des directions, des projets possibles qui sont donc des projets aussi capables de transformer non seulement un petit morceau du Grand Paris, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus important. Et cette impossibilité de trouver ces liens, c'est un élément de faiblesse très fort. Ça va, je ne dis pas, annuler tout ce que nous sommes en train de faire, mais en tout cas, c'est une perte. Et quand je parlais des États-Unis, parce que j'ai enseigné aux États-Unis, et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que fait un architecte urbaniste, un urbaniste paysagiste aux États-Unis? Ben, il ne travaille pas pour les pouvoirs publics. Il travaille pour les associations, parce que les pouvoirs publics ne lui demandent presque rien. Et donc, il travaille pour les associations. Et là, j'ai compris qu'il avait ce monde qui proposait les projets au-delà des choix institutionnels. Alors, aux États-Unis, la raison, c'est que, justement, il y a une certaine distance, que la forme démocratique est différente de celle européenne et de celle française, c'est clair. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train, et les mouvements citoyens, etc., semblent un petit peu communiquer cette envie et même cette préoccupation que le pouvoir institutionnel ne comprend pas. Et donc, je vois une sorte de rapprochement entre l'Europe et les États-Unis de ce type. Et ça me préoccupe un petit peu parce que traditionnellement, nous sommes habitués que finalement le pouvoir est démocratique, nous représente et finalement, tout va bien. Juste une chose, comme ça donne une information supplémentaire, par exemple. Au niveau européen, nous travaillons beaucoup avec les Suisses, particulièrement des interventions que nous faisons à l'EPIA. Et Gilles Clément, nous le connaissons très bien. Pour dire que, par exemple, à Bâle, les toitures végétalisées, quand elles ont été mises en œuvre, comment je peux expliquer ? L'État a dit, c'est l'exemple. Les cantons, le canton de Bâle a dit, je vais donner l'exemple. Donc c'est bien l'administration, c'est bien l'État, c'est bien la zone publique qui a dit à la société civile, je veux être exemple, je vais donner l'exemple. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place et que les lois se sont votées pour la biodiversité végétale sur les toitures avec des protocoles scientifiques dignes de ce nom, c'est-à-dire avec du végétal vraiment mis en place et non pas des lobbies industriels dont nous faisons l'objet partout en Europe, mais partout dans le monde. On travaille avec Chicago, c'est exactement les mêmes problématiques. Donc, vous voyez, on peut aussi avoir ce regard-là. Ils ont montré l'exemple et pourtant, c'est bien parti du public vers la société civile. Juste pour citer cet exemple. Ok, je vous propose peut-être d'en rester là parce qu'il faut que vous ayez le temps de manger un sandwich avant la prochaine soirée projection sur le crowdfunding. Je trouve intéressant que finalement on finisse cette table ronde sur la question de la qualité démocratique. Moi, ce que je retiens en fait, c'est vraiment la question de la reliance, c'est-à-dire comment arriver à justement souder, relier toutes ces énergies créatives, comment aussi donner plus de poids au power to people, hein, comme c'était évoqué dans le film, c'est-à-dire vraiment à la question du pouvoir latéral. Et puis, ben, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à prendre des petits cahiers des entretiens Albert Kahn, puisque en fait, c'est notre laboratoire d'innovation publique au département des Hauts-de-Seine qui a justement pour vocation d'expérimenter. C'est-à-dire le laboratoire, c'est aussi d'expérimenter, de relier les gens,
d'écouter des représentations différentes, de faire rencontrer les élus, les administratifs, les intellectuels, les entrepreneurs, etc., du territoire, pour imaginer d'autres choses en amont des politiques publiques. Voilà, donc il y a une série de numéros, dont un numéro d'ailleurs qu'on avait fait il y a 2 ans sur les villes de demain, et d'où cette idée également de poursuivre le débat. Mais je crois que le débat n'est pas fini et on aura encore, j'espère, l'opportunité de faire bouger les choses en venant en discuter. En tout cas, merci à vous tous et bonne soirée.